octobre et ce soir c'est... Match. C'est le match de Ligue des Champions tant attendu, Galatasaray, PSG, et on y va tout de suite. Pourquoi il est dans un ascenseur déjà? Bah parce qu'on s'en va, il faut bien appuyer sur les zéros par contre. Ah oui, pardon. Pour partir. Merci bien. Et un grand merci au PSG parce que c'est eux qui nous ont passé les places. Merci Paris, la vie. Et du coup, on va voir Galatasaray, et à ce qui paraît, moi j'avais fait Fenerbahçe en Europa League contre Anderlecht, et c'est la première fois que je fais Galatasaray, et une énorme pensée à Nilay. À Galatasaray, parce qu'elle a toujours voulu y aller avec moi, elle a pas pu. Et du coup, j'y vais. Et franchement. Tu lui dédies. Je lui dédie de ouf. Et... Direction le stadium. Le match il commence dans 1h30 à peu près. Bon. En tout cas, on est au stade d'ici 10 minutes et j'ai très hâte de voir. Il est là-bas, on le voit. Regardez. Où ça, au fond, au bout. On arrive au... Comment il s'appelle? Tulk Telecom Stadium. Non, Tulk Telecom Stadium. Galatasaray Sport Kulubu. Je sais pas quoi Sport Kulubu. Ah, club ça veut dire. Kulubu. Allez Paris. Allez Paris. C'est une première déposée au bord de la route. Voilà. Au bord de la route. Bon, à un moment, il va falloir passer la barrière. Attends, faut les suivre, ils sont derrière. Hein. Hop là! Franchement, c'est une première aller au stade comme ça, j'adore. On est dans l'esprit direct, regardez, c'est freestyle. C'est gros freestyle. Et c'est beau avec le stade en fond. C'est quelque chose. Ouais. Pardon? Non, après nous, on va dire qu'on est algérien parce qu'on est algérien, tu vois. Ouais, mais quand si tu demandes où viens, tu dis. Ah, les taxis? Les gens là, qui se font voir avec le maillot de Galatasaray. Ok. Non, on va dire qu'on vient d'Algérie. Ça passe Algérie ou pas? Ah, ils aiment que ça, quoi. C'est vrai? Je leur dis pas Algérie, je leur dis Jazayer. Ouais, Jazayer, mais je. T'es quoi, toi? Moi je suis Jazayer aussi. Ah, ça se voit? Ambiance street et brochette. C'est trop cool. Petit stand barbecue improvisé. Ah ouais, c'est Brochette Land. Allez, tu y es les gars. Alors là, nous nous faisons discret, puisque je crois que nous sommes les seuls Parisiens dans la zone. Regardez, ça a l'air bouillant de chez bouillant. Il y a les fumées en bas là. Avec le stade en rouge, la fumée rouge. On dirait qu'on a en avance, on va rentrer dans un chaudron. C'est là-dedans qu'on descend. Wow. Première fois de ma vie que je vois un truc comme ça. Franchement, on en a fait des stats, mais là... Là, ça va être quelque chose. Entends la fumée. En plein dans le brouillard. Je suis aux abords du stade et de dehors, j'entends le coq parisien chanter. On a aussi entendu les joueurs se faire huer, on leur entendait un gros. Ouais. Et j'ai hâte d'être dans le. Là, j'ai trop hâte d'être dans le stade là, à l'intérieur. Vous savez pas ce qui vient de se passer. Il s'est passé un Parce truc que nous, il y a toujours incroyable. Un problème. En fait, on était passé le billet de Was, il est passé en même temps qu'un gars. Et du coup, en fait, c'est le gars qui est rentré avec son billet. Et donc, lui, il avait la lumière rouge, ça voulait plus, la porte voulait plus s'ouvrir. Donc, le mec, il lui a dit c'est mort. Et là, on négocie depuis je sais pas combien de temps. Le policier, il veut rien savoir. C'est dead, il veut pas qu'on rentre. Et heureusement, il y avait un mec, un turc, franco-turc. Un turc qui m'a reconnu. Hyper sympa. Qui a tout traduit. Il est là-bas derrière. On le retrouve. Attends. Fait un gros coup de poing. C'est grâce à lui. Merci.
merci au PSG puisqu'on est quasiment au bord du terrain. C'est juste incroyable. Il y a même les jeunes du PSG qui sont là, Xavi Simons et les autres. Vous allez voir la différence, regardez, là pour l'instant on n'a pas le ballon.
bien, moi déjà ça me permet de me boucher les oreilles, comme ça je n'entends pas tous les bruits. Mais c'est un match irrespirable. Irrespirable. Corner pour Paris, tiré par Di Maria. Oh, une belle tête toute. Ça essaye de reconstruire tranquillement du côté de Paris, de poser un peu le ballon, de faire tourner. Mais attention, parce que du côté de Galatasaray, ça attaque, ça avance. On est à 10 minutes de la mi-temps, toujours score de 0 à 0. PSG au-dessus, à plus d'action, plus d'occasion. L'Algérie, là, c'est ça. Et bientôt, j'espère qu'on aura l'occasion d'aller en Amérique du Sud, en Argentine, particulièrement au Brésil. Je pense que vraiment... ouais, le top 3, ça va être ça. Ouais. Algérie, Turquie, Amérique du Sud. Yuan, comment ça va, l'Irmao? Désolé, je n'ai pas compris. Comment il va, l'Irmao? Attends, si tu n'entends plus rien. Ouais, moi, j'entends plus rien. On n'entend plus rien. C'est dur, là, ce moment. Ça a été la première mi-temps? Ouais, jamais vu comme ça. On n'a jamais vu ça. C'est bien pour lui. C'est difficile de jouer ici. C'est bien. C'est intense, c'est physique. Toujours sur ton prono, c'est parce qu'on a fait des pronos. C'était quoi ton prono? Le mien c'était 3-0 pour nous. Moi c'était 1-0. Moi j'ai crois qu'il m'a fait, il va rentrer, il va mettre des buts là. Allez Kylian. Allez, on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Kylian a l'échauffement pendant la mi-temps. Donc on est quasiment sûr qu'il va jouer en seconde période. Et on compte sur lui bien sûr pour débloquer ce score de 0-0. Oh, technique Kiki. Oh!
Bah, je me régale.